Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ben je vais juste vous partager ce que j'ai décidé. Je vais faire la montée du Mont Ventoux, bien sûr avec le fourgon, et je vous expliquerai pourquoi. Je ne vous ai pas filmé la montée parce que bon, pour moi c'était stressant de gérer le visionnage et la montée. Surtout qu'aujourd'hui apparemment il y a vraiment beaucoup de vélos sur la montée du Mont Ventoux. Ce jour-là, pour résumer, à ce moment-là, posé sur le parking après avoir pris le petit déjeuner, je m'aperçois que je n'avais pas la carte bancaire, je l'avais oubliée à la maison. Et de plus, ben, le doute s'installait parce que à la montée, mon autonomie à naissance affichait plus que 135 km. Et moi, j'ai pris ça comme s'il ne me restait plus que 135 km à faire, qu'alors c'était pas du tout ça. Je m'en suis aperçu bien plus tard qu'en fait, c'était juste que si je continuais à rouler à cette allure-là, il m'aurait resté que 6 bornes à faire. Donc le doute s'installe et je décide finalement de rester sur ce parking et de faire le reste du trajet à pied puisqu'il restait plus que 7-8 km à faire pour arriver au mont. Seulement, je n'ai pas marché depuis très 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 fort longtemps, mais je décide quand même de le faire. Mais bon, de toute façon, dans cette journée, il y a plein de rebondissements. Donc je vais vous laisser découvrir la suite et je ne vous ai toujours pas dit pourquoi j'ai choisi d'aller au Mont Ventoux. Allez, bon visionnage! Eh bien, j'arrive toujours pas à me libérer l'esprit avec le nombre de kilomètres à faire pour rentrer. Donc, je décide, après avoir un peu marché, de m'arrêter pour déjeuner sur le retour, sur la descente. Et je vais m'arrêter dans un petit coin à l'ombre. Ma jauge d'essence, elle est à ce niveau et mon autonomie, ils disent 356 km. Je comprends plus rien. Allez, ça y est, j'y vais. Je décide de monter au Mont Ventoux, tout en haut du col là. Et je vais voir si je peux faire demi-tour pour reprendre ce chemin-là, puisque ça sera le plus court pour rentrer à la maison.
aujourd'hui c'est vraiment une journée. Moi je suis trop contente et trop fière de moi. Donc un petit café avec cette vue. Je suis au Mont Ventoux, je me suis décidée à monter. Tant pis si j'ai pas assez d'essence pour redescendre, j'appellerai mon mari. Mais en tout cas, je suis trop fière de moi. Voilà, derrière moi, c'est les Alpes apparemment. C'est les Préalpes et tout ça. Dommage que la vue, elle n'est pas très claire. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous profitez de la vue. Voilà. Bon, allez, je continue. Alors, je suis garée là et là, je vais monter à pied. Je vais couper entre les poteaux bleus et rouges.
Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de venir au Mont Ventoux, parce que c'est le mont le plus proche de chez moi, déjà d'une pour commencer. Et en même temps, c'est parce que j'ai un projet et j'aimerais pouvoir le réaliser. Quand encore, j'ai pas de date, hein, parce qu'il me faut, acquérir plus de confiance en moi, la maîtrise du camion. Mais vraiment, mon objectif, ça serait de pouvoir faire la Norvège, la Finlande, pour voir les aurores boréales. Et de préférence mi-septembre, début octobre, parce que je voudrais pas rouler sous la neige. Donc déjà, j'avais de l'appréhension de monter l'école. Et ce matin, j'ai été gâtée parce que, en fin de compte, il y avait tous les cyclistes, parce que le Mont Ventoux, il est réputé pour le Tour de France. Et donc du coup, ce matin, il y avait plein de cyclistes qui essayaient de monter. Et ça n'a pas été évident. J'ai dû monter, les éviter, faire des écarts. Et en plus, dans les virages, là, en pleine montée. Donc, je suis montée en seconde, en troisième et redémarrage première. Mais voilà. Donc, ce matin, je n'ai pas filmé la montée parce que j'avais peur que ça me stresse trop de gérer la vidéo et gérer ma route et les cyclistes. Par contre, après, je mettrai la vidéo pour la descente. Mais voilà, l'objectif final, en fait, de tout ça, c'est juste de m'exercer à la conduite en montant des monts et en descendant, quoi. Parce qu'en Norvège, en Finlande, ben voilà, quoi. Surtout la Norvège, il y a beaucoup de petites montées, des petites descentes, et j'aimerais bien aussi maîtriser comme il faut le camion.